Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui on se retrouve, on est le 2 décembre. Et ma fille qui s'enjaille devant son dessin animé, c'est trop mignon. Moi j'espère que vous allez vraiment bien, que vous portez bien. Voilà, c'est ça le plus important, n'est-ce pas? Donc, je vous disais, on est le 2 décembre. J'ai reçu un calendrier que j'attendais avec impatience. Ah, je suis trop contente. C'est le calendrier Beautiful Box. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire. Ménage, il faut que je sorte pour acheter. Ah, le sapin, il a avancé. Il faut que je vous le montre. Et bien sûr, il faut que je vous montre ça. Et en fait, j'ai décidé au niveau du sapin de mettre d'abord les grandes boules. Et maintenant, il me restera juste à mettre les autres, histoire de fignoler celles qui n'ont pas la ficelle. On en revient à ce que je disais hier. Là, aujourd'hui, normalement, Inch'Allah, vous aurez le vlog un peu plus tôt. Donc, je pense que ce sera plutôt cool. Peu importe. De toute façon, comme j'ai dit, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'heure. Tant qu'on a la vidéo, qu'on se détend, qu'on rigole, qu'on passe un moment ensemble. Ça, c'est le principal pour moi. Et que tout le monde va bien. Voilà, tout simplement. Donc, les amis, le sapin, je vous ai dit et je vais vous le montrer. Ah oui, il faut que je fasse ça aussi. Il faut que je fasse ça. Cahier de suivi budget. Alors moi, c'est pas pour le budget, rien à voir. Alors moi, il marque une page par semaine, etc., etc. Mais attendez, je vous montre, je vous tourne de petites secondes, histoire de vous montrer de... C'est plus pratique. Regardez. Là, alors, ma fille m'a laissé le... Hop, regardez, il est comme ça. Et en fait, quand j'ouvre, moi, par exemple ici, il y a inscrit... Semaine numéro 1, on ne sait pas, voilà. Et là, je marquais la date, la dépense et le coût. Et après, ici, si je veux marquer mes repas à moi, parce que moi les repas de la semaine, je ne vais pas noter. Hein. Oh, demain, je vais manger un couscous, demain, je vais manger un haricot vert, demain, on va manger ça. C'est au jour le jour. Donc ça, non. Ça, moi, je m'en fiche un peu de ça. Pour être franc, je m'en fiche. Moi, c'est surtout, au pire, c'est pour moi. Ce que je mange, moi, sachant que j'essaie de faire attention, vous avez saisi le truc, etc. Mais par contre, au niveau des dépenses, ça, c'est trop bien. Je vais noter au fur et à mesure la liste de courses s'il y a besoin. Et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, déjà, ça serait bien que je commence à faire ça, déjà. Hop, il est joli, hein. Franchement, il est joli. T'as vu, c'est sympa, hein. L'extérieur est très joli, il n'y a que l'intérieur, il est fade, mais j'attends des petites choses qu'on est en train de me concocter. Et des copines à moi qui sont en train de me faire au niveau de mes carnets journal, elles sont en train de me faire des choses dans le genre, mais plastifiées. Je vous remercie tellement, les filles. Vous êtes adorables. Deux copines youtubeuses, et elles m'ont fait, comment dirais-je, ça là, des petites choses comme ça là, style les dépenses, ceci, cela, etc. Ma fille Mskina aujourd'hui, elle n'est pas partie à l'école parce que ça n'allait pas. Donc, youpi, tralala, elle va devoir bien rattraper sa journée. Ben, bon. Quoi d'autre? Donc, ménage. Ma fille qui est à fond dans son dessin animé, je vous jure. À fond dans. Ah, ça gratte. Faire la douche. La douche. Ah, ok. Et ok, parce qu'en dormant, on se fait des coupes de Bob Marley, là. Nous, les cheveux bouclés, quand on se réveille, on a les cheveux comme ça, là. Ce qui est une choupette, en tout cas pas sous la douche. Bah écoutez les amis, il faut que je sorte également, comme je vous ai dit, pour acheter les ficelles, 2-3 petites choses, voir ce qui peut me plaire à l'extérieur, en magasin. Et puis voilà, et on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Ouais, c'est trop chouette. Ah oui, mais j'attends aussi, je me disais, j'attends aussi aujourd'hui, là, ça doit sonner, je sais pas quand, mais ça doit sonner, c'est, comment on appelle ça? Lina, comment ça? Shein. Voilà, Shein. Qui devrait pas faire... Quoi? Qui devrait pas faire, bien sûr. Qui devrait pas tarder à faire ring, 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 ring. J'ai hâte, parce que j'ai fait deux commandes séparément. C'est-à-dire deux commandes... Par exemple, aujourd'hui, je fais une commande et le soir même, j'en fais une autre, quoi. Mais du coup, c'est... Ou alors le lendemain, bon, bref. Mais il y en a une que j'ai fait livraison express et l'autre normale.
Donc, du coup, il y en a une que je vais recevoir aujourd'hui et l'autre, je ne sais pas quand est-ce que je vais la recevoir. Je suis un peu dégoûtée, j'ai déconné, je suis refait les deux express. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai pas saisi ce que j'ai fait. Moi-même, j'ai pas compris. C'est pour vous expliquer. Ah oui, et regardez, là, c'est un rouge à lèvres Gucci. Il est pétant, je sais, mais je kiffe. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime le discret, j'aime le pétant, j'aime le moins pétant, mais en étant foncé. Et où j'aime les couleurs nature. Ça dépend de moi et de mon humeur. Franchement, je kiffe. Voilà, mon petit rouge à lèvres, comme ça, il est trop mignon. Je l'ai mis comme ça à l'arraché. Hein. C'est le Gucci, la teinte, je sais. Pas la 505. Non, je pense pas que ce soit la 505, mais l'autre dont je vous avais parlé hier. Donc, voilà, là, je vois mieux pour. Parce qu'en fait, j'ai avec le trépied, moi, je vois mal. Donc, regardez, il est comme ça. Je m'approche. En haut, il y a l'étoile que vous avez déjà vue hier. Et après, regardez, j'ai mis une boule ici. Après, il y a les lumières que je peux régler. En fait, les lumières, là, les LED blanches là, que vous voyez ici, je peux les régler. Elles peuvent tac-tac boîte de nuit, elles peuvent être fixes, etc. Il y a celle-là que je kiffe de dingue. Il y a celle-ci. C'est simple, hein. C'est super simple, mais j'aime beaucoup. Vous voyez, comme ça, il y en a une autre. Là, pour l'instant, j'ai mis que les grosses. Regardez-moi ça pour faire plaisir à mon bébé. Regardez-moi ça. Oh là là. Voilà, après, ici, on a l'écureuil. On en a mis un autre ici, il est caché. Waouh. Non, mais c'est simple, mais j'aime beaucoup, en fait. Hein. Et là... on a mis le petit Papa Noël, exactement le même ici en bas. Donc je monte et vous avez saisi. Là, il y a l'autre écureuil qui est ici. Vous voyez, c'est simple, mais c'est sympa. Voilà, tout simplement. Donc vous avez saisi qu'il manque d'autres boules. On fera ça après. On y va étape par étape, hein, les amis. Hein, parce que, attendez, je vais reculer, je me recule. Et voilà! Attendez, je vais essayer d'éteindre la lumière. Je sais pas si vous verrez un peu mieux. Là, j'ai éteint. En plus, j'ai même pas ouvert les volets. Donc, du coup, regardez. En éteignant la lumière et les volets fermés. Parce que là, je les ai pas ouverts hein. En ce moment. J'ai pas trop envie de les ouvrir. On est bien comme ça. Donc là, en fait, j'ai pas réglé. Hein. Là, il fait à sa sauce au niveau du... Il saute pas. C'est comme ça qu'on l'a mis, en fait. Mais après, si je veux, je le mets soit fixe. Soit il fait la lambada tout seul, c'est-à-dire il saute boîte de nuit au niveau des LED, hein, je vous parle. Ou soit il fait... En fait, il a trois modes au niveau lumière. Moi, j'aime bien. Bon, les amis, maintenant, là, je vous reprends. Pourquoi je vous reprends les calendriers de l'avant. Voilà, tout simplement. Donc, je vais les récupérer. Et comme ça, on ouvre ça ensemble. Alors, ici, les sépambas. Regardez le boxon. Oui, médicaments, boucles d'oreilles, rouge à lèvres que je n'ai pas rangé hier quand je vous les ai montrés. Bref, tout ça là-bas, là, c'est le... pour ma fille, pour son asthme. Tout est dedans. Traitement de fond, etc. Doliprane, ça c'est une chose à moi que j'ai reçue. Inch'Allah, je vous en parlerai. Là, c'est tout ce qui est. Encore une fois, du doliprane, etc. Ah, ça c'est mes gouttes des yeux parce que quand. Ouais, exactement, quand j'ai bobo aux yeux, etc. Ça c'est pour allumer les bougies. Bref, ici il y a plein de petites choses comme ça. Du doliprane pour moi. Oui, ici c'est la petite pharmacie. Alors de base, il n'y a rien. Mais vu que là on était malade, ben, on a mis ça comme ça. Du moins, ma princesse, mes enfants, nanana. Moi qui a des maux de tête par-ci par-là. Voilà, ma fille qui se mouche d'ailleurs, il faudrait qu'elle prenne un doliprane, ce serait plutôt sympa. Donc voilà, et ici, ça c'est un haut que j'ai mis là. Je ne sais pas pourquoi il est là, petit skin, mais il va atterrir au sol de toute façon, parce que je l'ai retiré tout à l'heure. Exactement. Et là, c'est du sang bon comme ça, ça sent trop bon. Je le kiffe. Ça, je l'ai pris dans un truc à côté de chez moi, Aulnay. Aulnay sous bois, ils font un espèce de... Comment il s'appelle le truc là-bas? Un truc... Je crois que ça s'appelle Dubai Center ou quelque chose comme ça. Et ils vendent plein de choses comme ça qui sentent... Oui, normalement, il y a son couvercle. Je sais pas où elles l'ont mis, mes filles. Ouais, exactement. Et du coup, regardez, ça sent tellement bon. Un truc de ouf. Donc, je laisse ça comme ça. Je m'en fous. Ça. Après, moi, je sais que je vais le ranger. Donc, sincèrement, je m'en fous royal.
Parce qu'en 2 secondes, ça se range. Moi, ce qui m'importe, c'est le ménage, le vrai ménage, hein, quoi. C'est-à-dire le sol, la vaisselle, les vitres. Voilà. Ça, c'est des choses, j'aime pas quand c'est pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vois des doigts. Quand... Ça, par contre, ça me fout les bêtes. Que ça, en 2 secondes, ça s'en va, quoi. Bref, vous m'avez comprise. Je prends le calendrier de l'avant. Je vous mets sur le trépied. Et on est parti. Bon, les amis, on est reparti pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Ah, ça fait plaisir. Ah, en parlant de ça, les calendriers de l'Avent. Hier, quand j'ai reçu les livres, il y en avait 3 livres, vous savez, parce que j'ai pour moi calendrier de l'Avent. Et j'ai pour mes princesses et moi-même. C'est-à-dire, on partage des moments ensemble. Et cela dit, on a lu les livres qu'on a eus, quoi. Et c'était très bien. Ils étaient trop bien. On les a lus. C'était un bon moment. Ma fille et son pif, va te mettre du piche-piche dans le nez ou là, je sais pas, fais quelque chose, mais... Oh là là, je vous jure. Aïe, toi, là. Alors, on va commencer par celui-ci, Furet du Nord, et on va voir ce qui se trouve dans la case numéro 2. Du coup, le 2 décembre, exactement. Ah, après, Inch'Allah, je vais essayer de bouger un peu, ouais. Il y a le ménage à faire, faut que je bouge un peu. Ça va me faire du bien. Ouais, je pense, Inch'Allah, ça va me faire du bien. D'ailleurs, je suis pas sortie parce que j'étais déglinguée. J'avais trop mal, hier, je me suis réveillée avec une douleur, je vous dis pas. Et en plus, en ce moment, j'ai mal au... Qu'est-ce qu'il y a? Et en plus, en ce moment, j'ai mal au... Elle ralouille avec sa sœur parce qu'elle est en train de manger, mais elle se bagarre, en fait. Moi, je vous jure, c'est vrai. Ah, je vous jure, c'est vrai, il y en a pour 10, mais elles se battent, oui, ouais. Façon de parler, elles se battent. C'est-à-dire que ma fille râle, oui, c'est exactement ça, c'est un bébé qui ralouille. En plus, quand elle est malade, elle aime bien ralouiller. Léna, laisse-la. Kika, calme-toi. S'énerve pas, ça sert à rien. Ça fait du bien de respirer. Non, j'ai pété les ongles. Alors, je vous disais que j'avais mal. Ouais, je vais ouvrir le deuxième, je vais vous montrer. J'avais mal au mollet, là. Ça fait 2-3 jours. J'ai déjà eu cette douleur. Mais là, elle m'énerve. Et hier, entre mon ventre et le mollet, ouais, je suis pas sortie. Alors que d'habitude, je passe une fois par jour. Moi, je sors. J'aime bien, ça me fait du bien, j'ai besoin de ça, etc. Mais le truc, c'est que là, j'ai besoin de prendre l'air, voilà. J'y prends pas l'air, disons que tu pètes un plomb. Mais le problème est que, je sais pas, ça fait 2-3 jours, là, j'ai... Mon mollet derrière, ça me fait comme un point, comme s'il y avait une crampe, comme si vous avez saisi, quoi. Ça. J'ai mal au mollet, voilà. Tout simplement, on n'aura pas tergiversé 70 milliards d'années. Allez, hop, voici celui du père Castor. Et le père Castor, la case 2, elle est ici. Alors, hier, c'était, je crois, la lettre au Père Noël. Et là, aujourd'hui, c'est la vache Amélie. Ah, c'est moi. Il est comme ça. C'est trop sympa. J'ai toujours pas fait mes ongles. Ouais, j'ai grave la UH. Ouais, non, hier j'ai flémardisé. Ça veut rien dire, hein, mais j'ai flémardé, j'ai flémardisé, j'ai flémardouillé, j'ai flémardé ce que vous voulez. Mais en gros, j'avais une flemme de ouf de les faire. J'avais trop envie de les faire. Mais j'étais tellement bien à me reposer. En fait, je voulais les faire. Moi, je fais ça quand je suis tranquille le soir, j'aime bien. Ou alors, vraiment, si j'ai un petit peu de temps dans la journée, parce que je vous ai dit, entre le ménage des enfants, moi, dans le sens où. Comment on appelle ça? Quand je sors ou des choses comme ça. Donc, réellement, la journée, j'ai pas spécialement le temps. Mais par contre, le soir, je me trouve un moment, quand je suis dans ma chambre, je me suis dit, tiens, je vais... Non, j'étais trop bien devant ma télé, j'ai lâché l'affaire, j'ai dit, ouais, calme-toi, maliche. Tu mettras... Parce que là, j'avais mis du Dior, ici, la couleur abricot, là, le vernis, je vous l'avais montré il y a quelques jours en avant. Quelques jours en avant, qu'est-ce que je... Moi, je rectifie même plus. Hein. Rien à faire. On s'en fout. Donc, oui, il est très bien. Le Dior est super bien. Il les a endurcis et tout. Ouais, il les a durcis. Enfin, endurcis, je ne sais pas. Et là, elle est comme ça. C'est bien l'histoire. Elle est jolie. Il y a de quoi lire quand même pour un petit livre. Hein. Franchement, il y a de quoi lire pour un petit livre. Toi ? Donc voilà, on continue avec un autre qui est celui-ci. Après, on passe au mien, vous inquiétez pas. Hein. Là, je prends comme ça ce qui est devant moi. Là, numéro 2, il est là, toujours Furet du Nord, celui-ci.
Et là, c'est quoi? Le dinosaure qui ne pouvait plus rugir. Sympa. On verra comment ça va être la lecture de la night. Très joli. Il est beau. Et à l'intérieur, ça donne ça. Imprimé en Chine. Non, c'est vrai. Sont belles, hein? Les illustrations sont très jolies. Voilà pour le deuxième livre et le troisième. Comme ça, on en aura fini. Maintenant, on va passer à la beauté, nanana, etc. Donc, le troisième livre pour mes poupettes et moi-même. On passe un moment ensemble. Comme je vous ai dit, on kiffe ça. Donc, le numéro 3. Il est exactement. Hop là. Et hop là. Alors, franchement, c'est très très joli. Hein? C'est des maisons avec de la neige, tout ça, tout ça. Donc, le 2, c'est cette fois-ci Bonne Nuit. Là, oh là là, elle donne toujours envie, hein, l'histoire, quoi que, non, quoi qu'il arrive. Ma mémé. Elle chante, ma fille. Ma mémé. Le nom de ma mémé. Elle donne des idées. Exactement, on a tout compris, tu sais. Mon bébé. Elle a fondant. Ah là là, c'est quoi les cocomelones? Elle a fondant, j'en peux plus. Oui, mon amour, regardez, l'intérieur, elle est trop jolie. Voilà pour le troisième livre, c'est bon, maintenant on passe à autre chose. Là, je vous ouvre très rapidement celui-ci, donc celui-là. Je peux parler, chérie? Tu t'en fous, toi? Mais d'accord, elle s'en fout, Skits. C'est un bébé, elle ne sait pas. Elle va avoir 3 ans, là, le 17 décembre, Inch'Allah. Et maman réfléchit à ce que veulent mes enfants comme cadeau. C'est pas que je réfléchis, c'est pas vrai. C'est que je leur demande ce qu'elles veulent. Plus elle, ça va être son anniversaire, ma princesse Nesrine également. Et comme elles disent, mes grandes, elles disent, ouais, entre Shab, les fêtes, plus l'anniversaire. Un visage d'ange, mon dernier bébé. C'est le bébé de maman. Le numéro 2, il est juste là. Les pocket, pardon, les pocket pop. Hop, ouch, ouch. Achou, achou. Achou. À cause de toi, du achou, ça a foulé mon nez. Ah, c'est qui? Dingo? Dingo plutôt? Non. Dingo! C'est Dingo, je crois, ouf, hein. C'est ça, c'est Dingo qui nous fait style. Je sais pas, pas compris. Il est comme ça. Ça va, il est simple, quoi. Je passe au cottage. Qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui? Ah, je suis trop contente de ouf. Alors, le 2, où est-il? Ah, où est-il? Il est là. Il est ici. Et là, ça va être aujourd'hui un... Ah, ok. Donc, ça va être un gel douche. Et pas à base de lait comme hier, je pense, vu qu'il est transparent. Mais à l'huile d'argan. Et c'est une huile de douche extra nourrissante. Je ne vais pas l'ouvrir, sachant que je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais l'utiliser, parce que je suis en train d'utiliser d'autres choses. Hein, comme je vous avais dit hier, hein, on n'est pas... On a déjà des choses en... On va dire en commencement, mais... qu'on utilise déjà. Mais en tout cas, voilà, pour celui-ci. Après, hop, clinique et clinique. Hier, on avait eu un gel nettoyant visage. Et aujourd'hui, pour le deuxième jour, on aura... Quoi? Je ne sais pas bien. Alors, il est comme ça, hein, tout de vert vêtu. On s'en fiche, nous, ce qu'on veut, c'est l'intérieur. Je vous l'avais dit hier également. Et le numéro 2 est ici. Alors, que contient-il? Que contient cette case? Encore une fois, je ne vais pas faire ce vide. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ouvre direct. Allez, go! Ah, c'est une lotion, ça. Lotion. Et c'est l'étape 2. Je pense que... Oui, c'est ça. Hier, c'était l'étape 1. Maintenant, c'est basique 3 temps, mais l'étape 2. Donc, hier, c'était le lavage. Et là, maintenant... C'est la lotion exfoliante matin et soir au niveau de l'application. Et c'est comme ça. Et bah écoutez, moi ça je kiffe. Hein. C'est dur, hein. Ma fille elle a rigolé. Tout à l'heure on me disait, ah maman toi tu vas réussir à attendre genre jusqu'au 24. J'ai dit, bah Inch'Allah. Parce que c'est vrai que de base, on n'a jamais fait ça. Moi j'ai jamais ouvert des calendriers de l'Avent. Une case par une case, mais vu que j'en avais ouvert avant, comme chaque année, hein, tout le temps plein de calendriers de l'Avent, avant, on va dire décembre, vous voyez ce que je veux dire, quoi qu'il arrive, je les ouvre tous,
avant que ce soit 24. En gros, c'est ça. Moi, j'ai pas de patience, j'ouvre. Je suis quelqu'un qui a pas de patience. Et là, miraculeusement, j'ai un petit peu de patience. Maintenant, on passe à ce que je viens de recevoir aujourd'hui à la boîte aux lettres. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Ensemble. De quoi? Non. N'importe quoi. N'importe quoi. Elle me dit, il y a un calendrier make-up en haut. Mais c'est pas possible, t'es fatiguée. Non, t'es fatiguée aujourd'hui ou... Non, mais j'ai compris que t'étais malade. Hein. Je, là, là-dessus, il n'y a pas de souci. Médicaments obligent, etc. Mais là, je comprends pas ce que tu me dis. Elle me dit que j'ai un calendrier de l'avant. Je ne l'ai pas vu. Je suis pas au courant que j'ai ça. J'ai oublié à ce point-là. Mon écoute, j'ai la UH. Arrêtez, oh, c'est bon. On est tous pareils. Qui n'a pas fait ça dans sa vie? Qui? Arrêtez, arrêtez. Arrêtez! La poste. Je l'avais oublié, wallah, je l'avais oublié. Ah, sur la tête de Wam que je l'avais oublié. Que j'ai reçu tout à l'heure, que ma fille, j'attends Chine avec impatience. J'ai hâte d'essayer ce que j'ai acheté, je suis trop happy. Inch'Allah, ça va m'aller. Et oh, merci ma chérie, merci beaucoup. 24 secrets de beauté, oh, c'est trop bien. Ça, c'est quoi ma chérie comme celui-là? Tu m'as ramené, c'est pas la boutique du coiffeur? La boutique du coiffeur, ouais. C'est ça. Hein. Là maintenant, c'est pas du tout la boutique du coiffeur celui-là, c'est Beautiful Box. Beautiful Box, Kika, d'accord? Il s'appelle le jardin enchanté de Noël. Donc allez, on y va, on l'ouvre. Ça sent quoi? Ça sent comme si on avait un rhume. Non, je vous assure, ça sent le médicament du rhume. Non, je vous jure que c'est vrai. Tu vois? Non, vous moquez pas de moi, je vous jure que c'est la vérité. On aurait dit on a un rhume. Vous savez, on met des médicaments quand on a un rhume. Il y a un médicament, pas l'eucalyptus, style, oui, la menthe, mais autre, il y en a un qui sent... Si, c'est comme si on mettait l'herbe là, dans l'eau, là, histoire de, d'inhaler quand on n'est plus nez bouché ou je sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle ça? Bon, je vais te... Tu veux sentir, chérie? Tu vas gueulerie, l'odeur. Gars. Bon, là, tu vas gueulerie. Ouf, donc moi, je prends la case numéro 1, elle est là. Tiens, chérie, sens. Sans, là, tu vas voir, on aurait dit, on a mis de tu sais, les herbes pour enlever le nez bouché, là. Je sais pas comment on dit ça, là, c'est mon mari qui fait ça. Moi, je fais pas ça parce que moi, j'ai du mal à respirer des trucs chauds. Alors, là, il y a marqué Grémil pourpre. La valeur... Ah oui, valeur de cette surprise est de 28 balles. Ah, 4 sur 100, la note est de 96,7. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est la note globale. Donc, dans le numéro 1, on a une grande case. Je vous jure que c'est vrai. Ah, la condensation, c'est MDA. Grande case. Pour des confettis, hein, on connaît. Et ça, c'est quoi? Rouge français. Les lèvres. Hein. Donc, il y a marqué 600. Huile à lèvres. Et il y a marqué Pazify. Oh, là, moi, je ne connais pas ce que c'est Pazify, etc. C'est de l'huile pour les lèvres. Et ça s'arrête là. Rouge français. Et à mon avis, c'est un truc à bif. Voilà, j'étais sûre. J'étais sûre. Ils sont comment? Attendez. Waouh, ils sont bons par contre. Bah écoutez, ça sert pour les lèvres. Et l'odeur est agréable. Hein. Ouais. Et ça se voit que ouais, c'est, ça va bien hydrater hein, parce qu'on sent que c'est bien... C'est de l'huile tout simplement. Et maintenant, on passe à ce calendrier que Kika avait complètement zappé. Je sais pas si vous le voyez à l'endroit, oui exactement, c'est bon. C'est à l'endroit et non à l'envers. Là, ah, ding ding ding, on ouvre... Et on y va. Ça donne ça. Attendez. Hop, c'est pas facile, hein, c'est lourd. Hein. Donc, regardez-moi ça. Hop, là, il y a écrit je sais pas quoi. Je vous montre parce que moi, je vois rien. Vous, vous voyez avant moi. Donc, attendez, j'essaie moi aussi de... Édition limitée, madonna. Ok, la boutique du coiffeur, on a saisi. Alors, ici, elle est là, la case numéro 1. Et c'est fait comme ça. Il y a plusieurs, il y en a 3 compartiments comme ça. Et là, maintenant, c'est parti pour la case number 1. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Hop, je mettrai le calendrier en place après. Donc, qu'est-ce qu'ils nous mettent à l'intérieur? Apparemment, il y a un peu de tout dedans. Donc, corps, cheveux, je sais pas quoi. Donc là, j'ai aucune idée. En plus, il y a même pas... Il y a marqué des petites choses? Non, même pas.
on y va, on ouvre et on va voir ce que c'est. Alors, j'ai quoi? J'ai de la marque Myriam K, collection La Soif de l'Or. Et c'est un shampoing. Voilà, là, c'est un 30 ml ce shampoing. On verra le reste. Moi, là, ça mangeait pas plus que ça. Hein. Je sais ce que c'est un shampoing. Je ne connais pas cette marque, par contre. Je découvrirai. Je sais même pas s'il y a l'opercule ou pas. Par contre, ça sent bon. Il y a ça. Hein. Vous voyez, là, le... Mais il y a la protection, mais... ça sent bon. Je sens à travers. Donc, c'est déjà pas mal. Ouais, etc. Vous voyez? On est le 2 aujourd'hui, Kika. C'est quoi mon problème? C'est quoi mon problème? Ce qui est là, ma fille, regarde, me dit, maman, il y a la 2, la 2. Genre, du style, maman, t'es complètement à côté de la plaque. T'es, on n'est pas hier le premier, on est le 2 aujourd'hui, maman. Donc, maman, ouvre la 2, là. Parce que là, t'as ouvert que la numéro 1. Ah oui, 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 Kika fait des bêtises. Vous avez vu? C'est pas grave, moi, j'assume. Hein. Oh là là, on a le droit de faire des bêtises, quand même. Au contraire, ça fait rire. Moi, elles font rire les bêtises que je fais, je vous dis la vérité. Quand je fais des petites bêtises comme ça, ça me fait rire. Je me moque de moi parce que je me dis comment. Mais c'est vrai, pour moi, c'est une case par jour. Alors, j'ai pas pensé, c'est vrai, celui-là, je l'ai pas ouvert hier. Donc, il faut bien que je prenne la 2. Oui, oui, oui. J'ai... Autant pour moi, c'est bon. Dans la deuxième. Comme ça, là, j'ai trouvé ça. Un espèce de. Les offres de l'avant. Un espèce de. Les offres de l'avant. Ouais, moins 20% par-ci, moins 20% par-là, ça m'a que sur la main Redken, je connais. Là, je connais pas. Revlon, ouais. Les secrets de Loli, ouais. Schwarzkopf, ouais. Oui, quoique, 20% sur L'Oréal. En fait, si. Si, je pensais que c'était des marques que je connaissais pas plus que ça, mais bref. Donc, du coup, la case numéro 2 est-elle ici? Eh ben non, Kika! Et le troisième compartiment, regardez, il est comme ceci. Et la case 2, parce que nous sommes le 2, Kika. Oui, voilà, hier tu l'as pas ouvert celui-ci, maintenant aujourd'hui il faut que t'en aies le 2. Exactement, heureusement que ma grande fille était là. Quoique, même si elle n'était pas là, on aurait fait demain, après-demain ou un autre jour. Hein. Comme je vous ai dit, si je loupe des jours où je ne vous viens pas chaque jour en vidéo de quoi ou de caisse, parce que moi, je. Voilà, comme je vous ai dit hier, je ne vais pas vous mentir à dire tous les jours je serai là ou pas là. Je fais comme ça vient. Mais au pire, je vous montrerai quand je vous reprendrai au deco ou de caisse. Si par exemple, vous n'avez pas le jour même, bah, je vous montrerai ce que j'ai eu, quoi, Inch'Allah. On fera comme ça. Alors, la 2 qui est ici. Alors, voilà. Et on ouvre et ça donne. Et ça donne et ça. J'aime bien quand je ne connais pas. Alors, il y a marqué biphasé sans rinçage. Ça doit être pour les charabes encore. Parce que nourrir des mêles, cheveux secs et abîmés. Donc ici, ils nous disent, déjà c'est un 30 ml, et là, ils disent biphasé sans rinçage, qui rassoit. Enrichi en argan et karité. Voilà. Vous avez saisi le truc, je ne vais pas vous lire plus que ça. Franchement, mes enfants avec leurs cheveux bouclés, moi je sais ce que c'est. Quand on se peigne, quand on a les cheveux bouclés, il ne faut jamais se peigner à sec. D'une, on enlève les boucles, comme moi. Par exemple, moi, j'enlève les boucles, je ne vais pas vous mentir, parce que je me coiffe à l'arraché, donc j'enlève les boucles. Donc, on ne comprendrait pas que j'ai des boucles alors que j'ai des boucles, mais bon, bref, ça n'est pas le sujet. Là, mais mes enfants, non. Mes enfants, ce que je fais, c'est qu'un cheveu bouclé, il faut soit mettre bien de l'eau ou surtout mettre des soins, justement, des mélanges ou d'autres soins qui sont sans rinçage, peigner et puis voilà, raviver la boucle et puis voilà quoi, pour démêler, on est obligé de faire ça parce que sinon, un cheveu bouclé comme ça, ça fait mal. J'ai oublié aussi, comme on vient de le recevoir aujourd'hui, le Beautiful Box, vous savez, celui que, les calendriers Beautiful Box. J'ai oublié la case numéro 2, donc on y va. Mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit dans la life. Donc, la 2. Alors, notation globale. Elle, il lui donne 96,3 sur 100. Et son prix à ce produit qui est à l'intérieur. De ce produit qui est à l'intérieur, 14,90 €. Alors, mode d'emploi. J'ai pas envie de le lire, ça va me spoil. Je dirai ça moi après. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent fort.
C'est quoi? Masque cheveux, huile de coco, c'est très bien. Et beurre de karité bio. Et voilà pourquoi ça sent fort. C'est du jasmin. Donc je pense que c'est ça qui fait que ça sent comme ça. Ce masque capillaire à la texture onctueuse et fondante combine les propriétés nourrissantes du beurre de karité. J'ai la voix de Get For You, je vous dis direct. Hein. Bio. Et de l'huile de coco bio pour une chevelure souple et soyeuse. Ah, on demande que ça. Après, cheveux lavés, d'accord, essorés, appliquer le masque sur toute la longueur, laisser agir 5 minutes pour un minimum d'efficacité et rincer soigneusement. Donc celui-ci, il est à rincer. Moi, pour être franche, je préfère ceux qu'on ne rince pas parce que c'est meilleur, je trouve, pour le cheveu. Mais bon, celui-là, il a rincé. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, les amis, je vous laisse ici. En espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas. Like, commentaire. Ça booste la chaîne, ça m'encourage vraiment quoi. Donc n'hésitez surtout pas à le partager. L'abonnement qui est gratuit, bien évidemment. Bref, bien sûr, si ça vous plaît, on se comprend. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, pour un nouveau vlog. Mouah ! Ah oui, et puis il faudrait que je vous montre le sapin complètement fait. Peut-être l'année prochaine, il sera complètement fait. Gros bisous, ciao, ciao. Allez, bye bye, ciao.